Bonjour à tous et bienvenue sur la suite de mon let's play sur Kirikou. Eh oui, Kirikou, toujours un ami Kirikou. Et donc, eh ben on continue. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais en fait, je sais pas pourquoi, mais on voit pas les cinématiques. En fait, j'ai regardé après coup la vidéo. Et en fait, j'avais laissé les cinématiques, mais parce qu'au bout d'un moment, ça avait marché. Mais en fait, il y avait que le son. Et en image, on voyait en fait le début de l'écran de chargement. Donc, bon bah du coup, vous pourrez pas voir les cinématiques. Bon, ouais, j'ai fait de la merde du coup pendant que je parlais. Ah, boum. Non, toujours pas morte. Hop là, voilà. Je vais passer par là du coup. Ah, il y a une petite arme là. Toujours ça. Donc là, nous sommes dans la forêt. Je crois que le jeu n'est pas très long. Hein. Ouais, je pense pas avoir déjà fait la moitié, mais ouais. Ça se fait plutôt vite. C'est peut-être le défaut majeur du jeu. Mais après, on peut s'amuser à tout compléter. Ça doit prendre du temps si on veut faire ça. Mais si on veut juste le faire comme je fais moi, c'est le genre de truc qu'on se fait en une petite demi-heure en speedrun au maximum, je pense. Attends, il y a un tambour là, tout simplement. Pourquoi je m'emmerde? Oh! J'ai vu une arme en haut là. Ah, en tout cas les musiques sont ça, c'est pas chaud. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bien. Je sais pas si vous les entendez très fort aussi. C'est l'autre la suite du niveau là en fait, mais... Alors... Non, comment ça se passe? Tu veux pas courir? Y'a pas moyen d'aller plus haut là. J'ai dû louper des trucs en bas, je vais redescendre un peu là. Ah merde, attends, y'avait des gouttes d'eau là déjà. De la water. Voilà. Là, y'a quoi là? C'est quoi cette salle secrète ça? On dirait bien. Bon, c'est toujours ça, un peu de flotte. Bon, je manque pas trop de vie, ça va. Bon, donc le flotte, c'est comme les pièces dans Mario. Parce que ça peut pas aller vite tout de suite, on les achète après tout, mais bon, voilà quoi. Ah, je peux pas. Bon, bon, si ça. Je dois avoir tout vu là, non? Y'a pas un truc là? Non, je suis déjà allé là. Bon, allez, on va continuer. Hein. Je pense que c'est la meilleure solution. Non. Le jeu tourne quand même à 25 fps. Hein. C'est pas énorme, mais... On ne fait rien. Voilà, toi je te dis qu'il n'y avait rien à gauche là. Genre, si je saute, non, bon, on continue là. J'aime bien le petit bruit que ça fait quand on court. Alors c'est quoi ça? C'est des épines ou quoi? Ouais, je pense. Oh! Ah putain, j'ai pas vu, il y a une chauve-souris là. Tu peux m'en aller dans le trou là? Ah si, je suis sûr que si. Ah, déjà un point de sauvegarde! Et j'ai pas vu un pépé! Ah, mais là, y a des trucs là. Y a juste des petites bulles? Non? Là, on peut ressortir par là? Non, mais pas, non. Bon, bah, je continue alors. Ah, là, y a un trou. Je sais pas si c'est la suite du niveau. Putain, c'est sûr que j'ai loupé des endroits où on pouvait creuser. Oh, une vie! Mais t'es bien bloqué ça. Ah! Non, je voulais aller. Ah, j'ai cru voir un endroit où on pouvait creuser là. Let us check that shit. Non, pas creuser là. Non. C'est juste la texture là. Ah, mais je suis dans une salle bonus en fait là. Hop là. Ah, y a toujours pas de PP là parce que. Là, on peut voir les attaques que j'ai débloquées là. Si je vais dans renseignement. En fait, j'en ai. Ouais, je les ai déjà presque toutes. Pourtant, je suis pas à la fin du jeu, pourtant. Vous voyez peut-être une autre page. On voit que pour l'instant, j'ai rien loupé, en tout cas. Ça fait plaisir. Mais ça va peut-être m'arriver. Hein. Bon, je suppose que là, si je vais dans ce trou, là, je crève. Je vais tester. Ouais, je vais quand même tester. Bon, de toute façon, il y a le point de sauvegarde juste à côté. J'ai juste perdu une vie, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a rien. Ils sont vraiment un pauvre bruit de merde par contre les ennemis là, espèce de les féticheurs là qui grincent n'importe comment là. Bon allez, j'aimerais bien passer ça, voilà. Les escaliers dans les arbres, pourquoi pas hein. Oh une arme, ah, c'est cool ça. Ouais, on a entendu le... Alors c'est que ça monte en haut. Là. J'ai pas tout vu en bas encore, hein. C'est le continu en haut, mais
J'ai envie de tout voir. Ah merde, putain, d'accord. Sinon, si je prends pas le tambour, je tombe. J'ai dû sûrement louper un endroit secret, vous l'avez peut-être vu ou peut-être pas. En tout cas, il était bien flanqué, donc. Ah, y'a rien à droite là? Non. Bon, tant pis, hein. Ah, y a quelques petites gouttelettes. Je veux toutes les gouttelettes, hein. Voilà. Tiens, Boussette. Hein. Ah merde, je vais faire les tacs du chapeau. Pas si mal comme ça non plus. Hop là, boum. C'est plus quoi faire le mec. Il y a un truc en dessous là, non? Ah bah non. Ah, on me disait si bien qu'il y a un coup. Allez, bon, j'ai arrêté de perdre des vies stupidement. Sauter dans les trous ne m'a pas été très utile pour l'instant. Enfin, c'est ce genre de trou en tout cas. Donc du coup, on va tout simplement continuer. Il y a un vilain fétiche là. Voilà. Voilà. Merde. Non, putain, j'avais pas vu, elle est venue jusque là, la salope. Putain, à chaque fois, je recommence de là, du coup. Je vais éviter de perdre toutes mes vies, quand même. Il m'en reste 5, ça va, je suis large, mais... On fait gaffe, quand même. Ça descend assez vite, comme on le voit. Voilà. Allez, on court. Kiri court. Voilà, c'était nul, je sais. Alors. Oui, il sert à quoi cette branche? Je suis un... Là, attends, il n'y a pas un endroit secret, genre... Non? Ah, c'est tout, apparemment. Oh, merde. Allez, viens, c'était les couilles. Alors... Boum! Bon, y'a rien en dessous. Alors, où est-ce qu'il me mène ce tambour? Nulle part? Alors, toujours pas de papy, là, on a déjà fait la deuxième étape, là on est bientôt à la fin du niveau et j'ai toujours pas trouvé de papy. Ah, si, il est là. Alors, que vais-je apprendre? Enseigner le pouvoir du soleil. Alors, faire magie puis c'est le bouton du chapeau. Une explosion de feu magique. Et on tirera tous les fétiches à proximité. Oh, c'est cool ça. Genre, c'est F, ouais, et puis la touche du chapeau, c'est celle-là, ok. Bah, je testerai ça pour vous dès que j'en aurai l'occasion, dès qu'il y aura des mecs un peu méchants. Voilà, on chope une petite gouttelette. Comme ça. Il doit y avoir une vie, mais il faut être devant, je suppose, pour la choper, là. Ouais. Ah non, faut être encore plus devant. Je sais pas comment on fait, alors. Oh, putain. Ah si, faut aller à gauche, là. Ouais, c'est ce que je pensais. Il y a moyen de... Voilà. Comme ça. Tout simplement, l'ami... Ouh là là, tu m'as fait aller beaucoup trop loin là. Attends, du coup, attends, où est-ce que je peux atterrir là? Voilà là. Il va y avoir des trucs là, non? Non, là c'est la suite là. C'est quoi? C'est moi ou j'entends un bruit de chouette maintenant? Non, mais en fait j'ai l'impression que ça continue sur la droite là. Mais c'est bon là, attends, on va reprendre ce tambour. Voilà. Tu veux bien te coucher. Oh.
Voilà, on va par là. Ensuite. Non, merde. Hop là, on a le petit coup de chapeau toujours. On peut pas grimper là, mais si, il y a moyen. Voilà. J'ai juste à sortir. Voilà. Voilà. On nique les fétiches. Toujours, hein. Très important. Bon, ça. Ah putain. Oh lui, comment j'ai niqué lui. J'ai même pas triché quoi. Voilà, on prend l'arme. En fait, là où on était allé tout à l'heure, c'était peut-être pas la suite du niveau. Là, je continue un peu, mais. Oh putain! Il est fâché lui avec ses piques. Voilà, c'est... Ah, c'est la fin du niveau là-bas. Je vais aller voir d'abord du coup en dessous parce que du coup j'ai pas tout exploré. Hein. Comme on a pu le voir. Ouh là là. Merci. Du coup, c'est où qu'il faut tourner? Y a-t-il moyen de revenir en arrière? Attends, comment je suis arrivé là déjà? Par au-dessus encore? Ah ouais, par là, sûrement. Non, pas par là, c'est encore en dessous. Je suis nul en orientation, ça je vous l'ai peut-être déjà dit, mais... C'est pas mon truc. Voilà, par là. Voilà, c'est pas là qu'on a pas exploré. Là, y a eu... Putain, me dis pas que j'ai... Ah, j'ai juste fait ça pour 2 gouttes d'eau et 3 araignées, quoi. Voilà. Du coup, il me manque un papy. Je vais quand même essayer de chercher un peu, là, parce que ça me ferait chier de pas l'avoir. Où est-ce que j'ai pu le louper? C'est notamment le point de sauvegarde. Merde. Où est-ce qu'il pouvait bien se cacher lui? Bon, au pire, c'est pas très grave, hein. Ouais. Merde, je bon, tant pis pour le papy, hein. C'est... Ah, rien, ça. C'est quoi les branches que j'ai eu? Ouais, c'était ça. Voilà, ça va, là, y'a rien. Merde. Tant pis. Let's go to the fin du niveau. Putain, y'a pas un truc là, genre... Une branche, y'a rien, mais ça me paraît bizarre. Là, là, non. Non, tant pis. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a rien là. Je vais quand même choper l'arme parce que je crois que c'est conservé entre les niveaux donc. Voilà. Ah merde, c'est par là. C'est à droite. Bon bah tant pis hein. Pourquoi il y a une plateforme là? Bon bah tant pis. Tant pis pour les papiers hein, comme on dit. Donc là j'ai... Ouais. Il y en avait sûrement deux hein, comme dans les autres niveaux. C'est important. Ah non, il n'y en avait qu'un. Ah bah cool alors. J'ai pas loupé de papy, j'ai loupé juste un ennemi. Je suis heureuse de te... Je te donnerai. Ouais, ça tu m'as déjà dit ça, c'est bon. 200 gouttes d'eau. Tu peux aussi donner toute ma race et tout pour que je te donne une vie. Les écureuils. Je fais toujours tant que l'écureuil parce que je crois que ça sauvegarde pas. Bon, là, l'écureuil dit fuck. Je sauvegarde, bon, je vais passer au niveau suivant du coup. Le grand talus. Où est l'enfant Kirikou? Voilà, donc là vous avez sûrement que le son et moi j'ai l'image. En gros, Karaba est fâché, hein, c'est tout, hein, tout ce qu'il faut savoir. Après, c'est pas super passionnant, c'est les cinématiques du jeu, bref. Enfin, c'est du dessin animé, je veux dire, forcément, si vous l'avez pas vu. Ah, j'ai pas pensé à faire la méga explosion de feu. Ah, mais non, attends, mais y'a plein d'ennemis là, y'a au moins 2 ennemis là. Alors. Ah non, c'est ça.
Attends, j'ai pas assez de magie. Putain, je peux pas avoir assez de magie pour faire. Attends, tiens, fous-toi, merde. Je vais défoncer là. J'ai pas assez de magie, ouais. Voilà. Position fétale, l'autre. Boum! Attends, il y a des pics, lui il est fâché. Est-ce que ça va quelque part là? Ah, il y a papy! Yes! New power! Iriku! Je vais t'enseigner pouvoir de la foudre. La foudre, ça va être au hasard sur un des fétiches qui t'entoure. Ok, ça c'est du coup nocible. Alors, ici on faisait pas les petites explosions de feu là. Toujours pas assez? Bien. Bon, je vais arrêter de gaspiller mon énergie du coup en courant. Même si c'est fun. Je regarde un peu pour faire les spells. Bon, Kirikou a des spells. Bon, il l'a pas ça dans le dessin animé. Hein. C'est cool lui quand même. Il est balèze, mais il est pas. C'est pas censé le modifier. Enfin, pas ce que je sache. Ah putain, oula, c'est un peu bugué là. Hey, arrête de bug exploit. Ah putain, c'est pas fou, je vais me la faire celle-là. Je vais me la faire cette salope. Oh putain, mais c'est vrai, faut pas que je cours. Ah, je prends tout là, tu verras quand je vais te trouver ta saloperie d'abeille. Voilà, allez, va bien crever. Allez, on continue. Du coup, ah, je peux creuser là. C'est bien que ça ait arrêté l'image comme ça. J'ai bien pu creuser tranquillement. Ouais, attends, comment on peut faire? Il va falloir courir. Non, je suis sûr qu'il y a moyen. Il faut juste sauter quand il a vu là. Ouais, yes. Moi, je dis, ça mérite un papy, ça, tout ce skill. Ah non, ça mérite un rocher apparemment. Oula, c'est chaud là. Enfin genre comme ça on saute dans le truc et puis après on le saute. Ah comme ça mais... Ah, presque. Presque. Voilà. Du coup ça ressort là. Mais je voulais voir où je pouvais aller moi. J'ai pas envie de louper des méchants là. Je vais tous se défoncer là. Boum. Airshot. Boum. Comme ça, ça pue de l'énergie. Comme ça, là, quand il y aura un passage difficile, je fais genre méga explosion de feu là. Ah, j'ai toujours pas débloqué. Là. Faut peut-être être full mana pour faire la méga explosion qui tue tout le monde. C'est logique, elle coûte cher, mais quand même. Ouais, j'ai envie de l'avoir quoi. Boum. En tout cas, je peux faire la foudre en tout cas. Boum. Non, merde, je vais pas courir. Tu me vois touche. Toujours pas débloqué la méga explosion de feu. Enfin, pas assez d'énergie pour la faire en tout cas. Boum! Oula, une espèce de pieuf là. Boum! Ah, là j'ai assez, là j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est plus grisé. J'attends un passage avec plein d'ennemis pour le faire quand même. Merde! Ah tiens, un trou. Ah, c'est là où j'étais en fait. C'est là où j'ai creusé. Ok. Ah d'accord, c'est qu'on peut pas y aller en fait. On était obligé de creuser, donc j'ai pas vraiment trouvé un truc secret quoi. Hop là, direct. Voilà. Ah putain! C'est bon? Y'a quoi en dessous là? Ah, y'a rien. Allez, on continue, on s'arrête pas, on est chaud. Et je dis tout en double. Alors, ben lui, du coup, en fait, on va lui faire la foudre, hein, comme ça, ça permettra de tester la foudre. Alors, foudre, c'est quoi? C'est le bouton du chapeau? Non, le bouton du chapeau, c'est pour le feu. C'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. C'est autre chose. Ah merde, je fais si je pourrais arrêter le temps. Bon, du coup, j'en profite, hein. Ah non, c'était le bouton pour creuser, c'est vrai. En plus, il a la même couleur des icônes, bon, tant pis. Du coup, il va falloir attendre un peu pour faire à nouveau le feu, mais bon, ouais. De toute façon, il faisait chier, lui. Tiens. Hop.
J'ai plus que 4 vies par contre, là j'en perds plus que j'en gagne. Ça fait chier elle. Ouais tant pis, du coup je la gère pas. Attends, non, comme ça, voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà. Je te nique. Ouh, j'ai failli me casser la gueule à cause d'elle. Bon, du coup, j'ai assez pour faire mes méga sorts de feu, là. Hop là. Oh. Ça sent le méga feu, là. Attends, le bouton du chapeau, c'est ça? Oui. Faut que je fasse avec le bouton du chapeau. Comme ça, là. Boum! L'animation est pas géniale, hein. Mais, on les a butés. Vous avez vu à quoi ça ressemblait comme ça, là? Alors, bon, allez, on va continuer, hein. Bon, je vais quand même prendre les deux gouttes d'eau, on sait jamais. Vu que je suis un peu short en vie, je vais prendre tout ce que je peux en flotte. Oh! Oh putain! Deux vies, un trou et une arme. Pour un truc qui était facile à trouver. Bon, si tu veux. Ah, où est-ce que ça fait tomber ça? Ouais, cool. L'ennemi, mais il est pas fort donc c'est pas grave. Mais il y a plus de méchants qu'autre chose là. Même avec ses pics là. Il y a genre plein de méchants en fait. J'ai besoin de dormir. Voilà. Toi, je te défonce, chapeau. Ah putain, non, attends, deux secondes. Merde, loupé. Ah, c'est qui me chie dessus en fait. C'est ça qui me fait les dégâts. C'est tout. C'était pas un super trou, il y avait surtout plein d'ennemis qui m'ont défoncé le cul. Ah, une vie. Ouais, ça pardonne un peu, mais j'aurais mis un papy, moi. Je les aime bien, les papys. Il y en a peut-être qu'un encore, comme le dernier niveau. Allez savoir. Bon, allez. S'il te plaît, là, la plateforme, voilà, merci. Merci, bien. Hop là, on retourne là. Voilà, bon, ça c'était cool. J'ai perdu toutes mes armes, mais j'ai eu une vie. Ça compense. Ah! Point de sauvegarde. On approche de la fin du niveau alors. Oh putain! Est-ce que je peux creuser? Ah, si, je peux creuser un menu quand même, ça va. Alors. Pas obligé d'avoir une arme. On m'en fout, je vais toute la flotte. Je sauve, bordel de merde. Où ça va là? Oh putain! Direct sur un pélican quoi. Qui m'a défoncé du coup parce que j'avais pas d'arme. Oh, une arme. C'est vrai, c'est là qu'il m'a fait sortir le raccourci, d'accord. Alors attention, t'es prêt? Boum! Merde! Bon, faut que je spam! Tiens! Voilà! Allez! Oh! Encore un trou! J'aime les trous! J'adore mettre mon bâton dans les trous! C'est dégueulasse, je sais! Ah! Encore un rocher! Si tu crois que je te vois pas! Avec le cul, ce rocher, pas possible. Oh, lui il va se prendre un éclair. Ah non, j'ai peut-être pas assez de. Non, j'ai pas assez de mal à dommage. Sinon, je t'aurais bien balancé un éclair dans la gueule. Est-ce que c'est la suite du niveau là ou c'est un truc bonus, genre méga fort? Oh putain, merde! Putain, l'autre ennemi, j'ai essayé de lui mettre un coup de chapeau là, si je le vois. Il est où? Je te vois pas. Montre-toi! Sésame. Ah voilà. Ah merde, bon bah le chapeau a pas marché. Il m'a piqué les fesses. C'est vrai qu'il y a une arme là, voilà. Ouais, du coup j'ai sauté l'ennemi complètement. Je crois. Ah non, c'est après. Donc
plus, hein, faut pas lui sauter dessus en fait, il y a des pics. Et faut pas aller devant non plus parce qu'il a, il a des pics. Putain, j'arrive pas à l'éteindre. Ah putain, bon, tant pis, fuck it. Hop là. Ah, attends, il y a encore un petit là. T'es prêt, je te pousse. Merde. Putain, je suis trop rapproché. Putain, on n'a pas d'allonge, quoi. C'est chiant. C'est méga chiant. Non, c'est vrai, là, ça va nulle part. Tiens. Boum. Toi, tu vas te taper la foudre, toi, ce que j'ai décidé à ce. Boum! Voilà. Ah, il sait plus quoi faire. Ah, attends, il y avait un truc en dessous là. Mais oui! Yeah! Un petit trou! Oula, j'entends bien le bruit de rocher. Non, ça va, c'est pas ça. C'est comme ça que tu m'accueilles, toi. Y'a quoi là? Y'a rien en plus. Il m'a trompé ce rocher. Ah, là t'es en train de faire. Ah, c'est qu'il a fait chauffer son pieu là pour. Ce qu'ils veulent en fait aller déboucher. C'est comme dans les dessins animés en fait. Ouais, ils veulent déboucher le puits que Karaba a bouché en fait. Et Kaiku se glisse dedans, je crois, et puis il débouche le truc. Parce que l'eau est censée arriver de là, mais bon, c'est Karaba, la méchante sorcière, qui l'a bouché. Donc ça fait un peu comme dans les dessins animés tout là. Ah, du coup, c'est la fin. Bon, bah, on va arrêter là cet épisode. Hein. J'espère que ça vous aura plu. On continue bah, bientôt. Hein, écoutez, ah, mais c'est vrai, on échange les vies. Je suis heureuse de te voir, mon fils. Ouais, moi aussi, je suis heureuse de te voir. Surtout parce que tu vois. Allez, on sauvegarde. Voilà, donc en fait, là, c'est la grotte, c'est là où il était pour déboucher l'eau. Bon, et puis à un moment aussi, il passe par une grotte pour aller voir Karaba. Bon, bah, on va s'arrêter là. Oh, c'était peut-être encore un peu court, mais bon, j'ai fait deux niveaux. C'est pas si grave si les vidéos sont courtes. Hein. J'espère que ça vous a plu comme le reste et on se retrouve bientôt pour la suite parce que ce jeu je vais finir. Ça devrait aller assez vite. Eh bien, au revoir.